Oh, c'est calme, c'est beau. Bien, le palais de la garde est là-bas. Il y a un trou dans votre mur, les gars. Je ne sais pas si vous le savez. C'est... Attendez, parce que je veux savoir ce qu'il y a là-dedans. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans, très bien. Ça m'ennuie un peu que je ne puisse pas réduire la carte. Alors, il faut que je parle à Cornic. Cornic qui est là alors qu'il y a des mecs qui sont ici. Cornic. Non, pardon. Alors, d'abord, quelqu'un dont vous puissiez vous dispenser, commandant, il est le premier. Il n'aura pas la flèche de nos effectifs. J'enverrai une poignée de garde assurée sa protection, mais nous devons reporter la tenue de nos opérations en nord des docks. Le dernier vote du conseil n'a pas tourné. Oui, je cherche quoi de neuf à pas d'hiver. Oui. Les brigands tentent de prendre le contrôle des docks et apprennent que la moitié des hommes sont à leurs bottes. Ah. Il y a le meurtrier de Dalren dans le lac noir. Tous les hommes que j'ai en réserve y travaillent, d'accord. La circulation des marchandises est presque nulle, ce qui signifie que la ville ne gagne presque plus d'or. Aïe 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 aïe. Oui. Je cherche à. Je dois entrer dans le quartier de Lac Noir. Oui. Que se passe-t-il là-bas? Un meurtre atroce. Mais pourquoi boucler en fait? Je ne sais pas moi. Le seul moyen d'avoir accès, d'appartenir à la garde. Ouais. Et si je travaillais pour la garde? Ce serait un bon début, la garde a toujours besoin de recrues, très bien. Oh, d'accord. Eh bien, que dois-je faire? La garde a perdu son emprise sur le quartier d'Ox, les bandes s'organisent très bien. Ces boîtes ont organisé, ils ont... Ah, évidemment, ça confirme ce que je pensais sur le choix qu'on a à faire. À mon avis, si je prends le chemin de la garde, donc le bon chemin, je devrais tuer le chef Moira. Sauf que si je prends le mauvais chemin, c'est-à-dire celui des brigands, je devrais sûrement tuer le chef de la garde. Allez, c'est d'accord. Yeah! Donc le chemin de la garde est pris. Une recrue plus que précieuse. Tenez, cette cape vous identifiera comme l'un des membres de la garde. Très bien, très bien. Hagen, il a décidé de résister au criminel de... Allez à son échoppe pour vous assurer qu'il ne reste rien à mon avis, les gars de Morale ne vont pas lui pardonner. Oh, très bien, très bien. Très très bien, et eh bien nous voilà désormais officiellement en recrue de la garde. C'est le chemin que j'ai choisi de faire. Donc je suis dans le chemin de la bonté, j'ai reçu une petite cape. Armure de loyauté. Alors, c'est pas celle-là. À chaque fois, je me trompe. Voilà, cape de la garde, qui est juste une cape à la con. Diplomatie et intimidation. Oh, et ça me permettait de faire quoi? Charisme, bon. Qui c'est qui n'a pas de cape? Eh ben, Nishka, tu vas prendre ma cape. Ma cape qui est là-bas. Oui. Tiens. Te voici avec une cape, Nishka. Oh la vache, c'est long, c'est très très long, très bien. J'ai donc choisi le bon chemin, je n'ai pas vu ce que j'avais à faire en quête, pardon. Alors du coup, moi, c'est bon, le prévôt Cornic est content, blablabla. Il vous a donné votre première mission en tant que garde, vous devez aider un marchand nommé Hagen, sa boutique est le long des docks près d'une petite place. Ok. Allons nous y rendre et battre des personnes sur la route. Alors, Hagen. Hagen, ça doit être Caleb. La chape Sand. Hagen, là-bas. Alors, par contre, les gars. Voilà, on va faire comme ça. Je fais partie de la garde. Je pense que j'aurais pu avoir une autre cape si jamais j'avais fait partie des méchants. Ah, bah tiens!
Des lamelins. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas vu. Cette chose repousse mes attaques. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de lamelins. Ça fait un sacré moment que j'en ai pas vu. D'où sortent-ils? Oh, une crevisse. Oh, nom de Dieu. Plus 6. C'est pour Kelgar. Kelgar prend la crevisse. Hein. Ah bah la vache. Très bien. Très très bien. Je n'ai pas une malus. Eh ben, ok. Je me suis fait prendre dans une sorte d'embuscade. Étrange, étrange que tout cela. Enfin. Non, c'est pas par là. Je me perds à chaque fois, soyez-en sûrs. Hein. Le jour où je me repars dans le jeu, c'est que j'ai réussi à connaître le jeu. Et en plus, j'ai ma minimap, évidemment, mais je suis un peu bête. Du coup. Et l'échoppe est en bas. Voilà, c'est quand même une belle ville. Regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors, l'échoppe est juste ici. Tiens, tiens, tiens. Bonjour. Bonjour, sergent de la garde. Bonjour. Bonjour, j'ai besoin d'enseignement. Je cherche. À quoi que. Non, c'est bon. Ok. Et donc, son échoppe, c'est là. Son échoppe est juste ici, juste en face. Est-ce que je peux y entrer? Oui, bien sûr. Et bah go. Alors, voyons voir Risen. Je vais voir Hagen. Je m'appellerai ça Hagen, qui est mon père. Je vais vous demander pourquoi je suis de la garde. Ah, content de voir que l'air considère toujours la menace de mort comme une raison d'intervenir. Pourrais-je parler à Hagen? Oui. La garde nous annonce sa présence. Une fête pourrait être à propos, dis donc. C'est que t'es drôle, toi. Elle est adorable. Moi aussi, je voudrais qu'on me protège. Que puis-je pour vous? Je veux que la garde empêche Caleb de prélever un tribut aux marchands du quartier. Ah, Caleb, très très bien. Pour les services qu'il rend, très bien. Pas besoin. D'accord. Il va forcément envoyer d'autres hommes pour réclamer son dû. J'ai besoin de votre protection. Très bien. Je me demande pas grand-chose. Très bien. Reza, je veux que tu rentres chez toi et que tu restes jusqu'à ce que tout soit fini. Très bien. Très bien. Ah, ça va mal se finir. Toi, tu vas très très mal finir. Je sens que ça va mal se terminer. Ben voyons. Évidemment. Salut les gars. Kalem n'a pas aimé ta réponse, marchand. Tu veux lui payer son tribut? Attention, la bagarre, la bagarre. Vous êtes tous en état d'arrestation. Oh putain. Je pourrais faire ça bien sûr, mais ça ne sera pas gratuit. Oh là là. Ah là là. Ah non, 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 non. Ah. Ah là 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 là! Eh oui, c'était un piège! C'est la bagarre! La bagarre! C'est la bagarre! La bagarre! Eh ben, c'était rapide. Bagarre est à votre service. Bien. Franchement, j'ai fait n'importe. Je vous le dis, j'ai fait n'importe quoi. J'ai littéralement fait n'importe quoi, je suis désolé. Bien. Je vais pas aller te voler non plus, je suis pas comme ça, non. Non, non, je suis pas comme ça, non. Dites-moi, mon petit gun, oui. Bon, moi j'ai fait un truc, j'ai fait une bonne action. Ça, c'est réglé. Maintenant, faut aller voir notre cher petit Caleb.
Bien, 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 bien. Ensuite, Caleb. Caleb, Caleb, Caleb. Il est là-bas. On va aller lui dire un petit bonjour. On va dire bonjour à Caleb. Oui. Le prévôt Cornic pour d'autres instructions. Faut vraiment que j'aille revoir Cornic pour lui demander ce qui se passe. Franchement, si ça ne tenait qu'à moi, j'irais directement voir Caleb. Faudrait qu'on ait armure. J'en ai pas besoin tout de suite, même si pour la prochaine session, je vais m'équiper un peu plus conséquemment, étant donné que j'ai pas mal de choses en termes d'armes et d'armure qui pourraient être intéressantes sur mes compagnons. Monsieur Cornic, le prévôt Cornic. Caleb, le garde le connaît bien. La garde, pardon. L'extorsion de fond. Très bien. Je vais m'occuper de Caleb. L'ordinaire, elle traîne dans une allée du sud. Très très bien. Allons-y. Mes amis, mais d'abord, sauvegarde. Toujours la sauvegarde. Je ne sais toujours pas quelle est la touche de sauvegarde rapide, mais je crois qu'il n'y en a pas. Contrairement au premier, qui avait une touche de sauvegarde rapide, et c'était bien. Chaque personnage dispose de 120 emplacements de barres de raccourci. Bien, bien, bien. Caleb, Caleb, Caleb. Allons te voir. Et allons te demander aussi quelques petites explications. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Messieurs, bonjour. Bon, regardez quoi, les gardes sont pas les bienvenus par ici. Ah, vous croyez qu'il suffit de pointer ici? Ok, très bien. Again. Intimidation? Intimidation, de toute façon, intimidation. Intimidation, c'est un échec. Tant pis. Et là, tant pis, j'ai essayé, mais il a pas voulu m'écouter. Ça va être rapide. Et sans douleur. Ah là là. Alors, rapide et sans douleur, ça dépend pour. Je le savais. Je le savais. Je le savais, je le savais, je l'ai senti qu'il y en a une qui allait crever. Je l'ai su à la seconde. À la seconde où j'ai vu ses points de vie partir en fumée. Bon, j'ai changé son équipement à Elané. Ce qui devrait être un petit peu mieux. Normalement. Alors on peut voir quand même qu'elle a. Je lui ai mis une épée astrale dans les mains avec sa serpe et une petite cape. Normalement, ça devrait un peu mieux se passer. Alors, je vous arrête, blablabla. Hop. Intimidation, échec, blablabla. Je vais m'occuper des brutes. Je vais m'occuper des brutes. Les brutes, attaque, s'il te plaît. Merci. Voilà, et maintenant te sur Caleb. Les mecs. Parfait, renversement. Allez, allez-y. Il est gratos. Bien. Un problème de régler. 200 pièces d'or, me dites donc. C'est que la garde se met bien. Bien. C'est une chose qui est réglée. Et ouais, bah du coup Caleb il est parti. On va retourner voir la garde et puis on lui dira que ouais, Caleb, vous savez, hein, je crois qu'il est parti un petit peu loin. Mais très bien. Je vais prendre des notes. Priorité. Ah, c'est bien sa priorité. Port nu assiégé, non. Et ouais, plutôt les mettre par date. Voilà. Par contre, Nishka, si tu pouvais changer ta forme, ce serait fort sympathique de ta part. Mais enfin.
Voilà une bonne chose de fait, Caleb n'est plus un problème et on arrive tout doucement au niveau suivant. Et ça, c'est encore une meilleure nouvelle. Mon cher prévôt Cornic. Caleb est mort. Il est mort, dommage, s'il veut rentrer, nous aura toujours un. Il n'a guère laissé le choix. Alors, vous avez fait du bon travail, grâce à vous, nous sommes en position de sérieusement contrecarrer les ambitions. De ramener l'ordre. Cave exerçant un certain contrôle dans le secteur, je me gagne que ces hommes n'ont pas traversé à s'entretuer pour cette succession. Si vous feriez la démonstration à tous, hein, que voulez-vous que je fasse? Notre coup de filet dans le nord des docks n'a pas été aussi fructueux. L'étendue de la corruption qui s'est répandue dans les gardes, c'est ce qui nous inquiète le plus. Je veux que vous vous rendiez dans cette même partie des docks, appréhender tous les membres du gang de Moira ou d'autres ailleurs et contrôler tous nos postes de garde. Ah, le capitaine Brevin m'a donné des ordres stricts. Il est trop tôt pour en parler aux hommes. Dans les postes de garde, c'est une surprise. Alors j'arrête nos hommes aussi. À vous de décider. Arrêtez ceux qui se livrent. Ok. Très bien. Très bien. Exécution des ordres dans le quartier des docks. Quand l'homme parle, on exécute. Et c'est le cas pour Prévôt. Très très bien. Bon, ça charge, hein. Alors, on va aller checker quelques trucs. Hein. Je crois qu'il y a quelques postes de garde. 3, 4 postes de garde. 4 postes de garde. Eh bien, commençons. Comme n'importe qui le ferait, on va trianguler, même cartographier le secteur en commençant par le nord. Petite save, hein, quand même, si jamais hein, la garde. Mais la garde me résiste. Si la garde me résiste, ce serait pas cool. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, je viens au ra... Comment ça peut... Je viens au rapport. Faites profil bas et votre patrouille ne sera qu'une formalité. Pourquoi y aura-t-il des troubles? Les docks sont un quartier plutôt pas mal famé, ne cherchez pas les ennuis et tout se porte. Hein. Comment se passe votre tour de garde? C'est plutôt qu'à me. J'ai passé un accord avec les hommes. Alors, il s'est. Un arrangement? En gros, on n'intervient pas dans les petites affaires de Mora en échange une. Mais, votre devoir de. Votre devoir de protéger les innocents. Cet argent n'est pas de trop. Ouais, bah, j'en ai informé Cormic. Je suis certain que nous pouvons. Pourquoi ne pas partager? Remettez cet argent à Cornic et c'est une bonne chose. Moi, me payera et c'est la garde qui en profite. Votre tournure d'esprit me plaît. S'imagineront que je suis toujours en cheval avec eux et je pourrais renseigner. C'est risqué par contre si quelqu'un découvre la vérité, je peux dire adieu. Je n'en dirai à personne. Très bien. Très très bonne nouvelle. Comment ça 5? J'en ai. Enfin 4, 1, 2, 3, oui 4, c'est ça. Bien, bien, bien. En voilà un qui a été réglé. Nous avons pu trouver un petit arrangement. Et puis bon, cet argent servira pour enflouer les caisses de la garde, ce qui est toujours une excellente chose. Oh, mais que vois-je? Que vois-je? Que vois-je? Je vois quelque chose qui m'interpelle juste là. Et ça ne me plaît pas vraiment. Oulala. Nous ne demandons rien de violent, sergent. En fait, nous proposons de vous payer plus que vous. C'est une grosse somme pour un petit service, expliquez-moi. Non, par contre, remets-moi comme ça, hein, s'il te plaît. Nous respectons, voilà pour tout. Vous travaillez dur pour une faible. Je vois que même les officiers de la garde sont corruptibles. Je suis entré que vous suivez, je vous ressens. En retard, ma peau de vin. Vous paraissez honorable, sergent, restez-le. C'est regrettable. Très bien.
je me charge de lui. C'est parti les gars. Les gars, non. Non, Elané, non, pas de moment, Elané, pas de moment. Qu'est-ce qui branle les deux autres là? Ah d'accord, ils sont occupés là-bas. D'accord, il y avait des brutes un petit peu plus loin. Voilà, tuez-moi plutôt. Enfin, visez-moi surtout. Enfin, par contre, les... Mais sérieusement, mais putain... Mais comment ça se fait que eux, ils soient pas là où je veux? Oh, que ça m'énerve. C'est... Je pense que le jeu a du mal à gérer un truc et que ça a tout niqué, en fait. Ça a tout niqué, voilà. Donc, on va la refaire autrement. Voilà, continuer. Ah bah oui, donc le jeu, en fait, il a dit nique-toi. Voilà. Tu vas regretter de nous avoir croisés. Voilà. Quelqu'un me protège. Allez. Très bien. Tous sur un seul ennemi et faites pas les cons. Elané, elle fait la conne. Elané, elle fait la sale. Voilà, c'est bien les mecs. Il y a à peine fini que les scanners ont déjà d'autres ennuis. Oui. De toute façon, ah bah voilà, c'était pas important. Je pensais que les scanners auraient son affaire avec les rutes. Oh ouais, que nous étions là. Ne vous inquiétez pas, vous avez fait ce qu'il fallait, c'est tout ce qui compte. À ce qui se passait, vous pouvez me croire, je ne risque plus d'être tenté. Exactement. Bien, c'est parfait. Et puis en fait, oui, donc c'était vraiment deux mecs qui étaient là juste pour m'emmerder. Une améthyste, une petite pierre. Et un outil de voleur. Et en fait, oui, d'accord. Je suis... Pardon, vous êtes trop chargé. Vraiment. Je suis vraiment trop chargé. Oh là là, qu'est-ce que j'ai encore fait. Bon, allez, la brute. Voilà, le level up en plus. Allez, occupez-vous de celui-là, je vous monte de niveau. Voilà, c'est bien les gars, c'est bien. Parfait. Comment ça se fait que je suis trop lourd? Ah oui, donc j'ai vraiment un truc qui me prend beaucoup de place. Donc mon malus est toujours présent. Faut que je sache pourquoi. Faut que je reste en dessous des 175 kilos. Ou alors il y a une limite, je ne sais pas. Bien, sur ce, il est temps de passer de niveau. Alors, estimation... Non, je vais mettre un peu plus dans le bluff, toujours dans le désamorçage. Ça me servira toujours. Un petit peu de discrétion, un petit peu d'intimidation. Le crochetage, bien évidemment. Et la fouille... Oh non, l'acrobatie, toujours très utile. 8 points de vie, des compétences en plus, et l'attaque sournoise. Suivez-moi. Quel gars, guerrier. Évidemment, dans la création d'armes. Un coup dans la parade, c'est toujours utile, et la raillerie. Je peux t'aider ? Ensuite, Nishka, Roublard, évidemment. Un petit peu dans l'estimation, la discrétion, c'est évident. Déplacement silencieux, le crochetage, la fouille, et la détection des pièges, l'acrobatie, l'escamotage. Ah. Et évidemment, l'utilisation d'objets magiques. Est-ce que la pose de piège est vraiment importante? Non. Non, pas très important. La perception auditive, par contre. Attends. Désamorçage. Voilà, toujours utile. Et un don. Ah, un don. Et qu'est-ce qu'on me recommande? On me recommande une esquive. Qu'est-ce que je pourrais te prendre? Le pistage.
Toutes les créatures hostiles sont à mini-carte. Oh, intéressant, mais peu intéressant. Le renversement. Ce don peut faire tomber ses adversaires au corps à corps avec un jet d'attaque à moins 4 et s'il réussit. Armée, armure, compétences et sauvegarde. Et des choses un peu plus intéressantes. Un bonus de plus 2 aux détections et perceptions auditives. Mais plus de à tous ces jets de vigueur, à tous ces jets de volonté. Je vais prendre la vigilance. Je vais te prendre la vigilance. Plus 8 points de vie et pour Elané. Bon, je vais tout mettre en recommandé. Et voilà, forme animale 3 fois par jour. Et bien voilà. Me voilà bien mieux. Faisons un petit somme avec ces 8 points de vie en plus. Ça devrait aller un peu mieux. Je l'espère. On va sauvegarder la partie. Il me reste ce poste de garde juste là-bas. Non, là-bas. Merci bien la garde. Sergent de la garde, oui. Oh, vous m'avez l'air bien, vous. Qu'est-ce qu'il vous faut? Grosse nuit. Champ patrouille, jette un oeil. Maintenant que c'est fait, vous pouvez repartir. Oh, la nouvelle recrue, je vous ai vu devant la vitrine, vous voulez vous faire un peu. Comment ça? Il y a un secret. Le premier, de ne pas faire n'importe quoi. Si vous avez le choix, il vaut mieux monter la garde que patrouiller. Et l'autre secret, c'est d'avoir des amis. Vous voulez que j'accepte un pot de vin, en fait? Je comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez doubler votre solde en acceptant de fermer les yeux, vous savez. On dirait que vous savez de quoi vous parlez. La tête, écoutez, vous venez d'arriver, j'essaie de... Vous êtes déjà soudoyé, je préfère voir ça comme une assurance vie. Je vois. Je devrais vous dénoncer. J'ai une proposition à vous faire. Vous en avez trop dit. Loyal et... vos actions vous font entendre l'entraînement de loyal et mauvais. D'accord, tenez. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est très très bon. J'ai gagné 200 balles. C'était pas la manière dont je voulais appliquer mes trucs, mais pas grave tant que ça marche. Et le dernier poste de garde est juste là-bas.